Aujourd'hui, au Gym de la Peau, je reçois une personne qui fait danser et chanter tout le monde au Québec et même des gens à l'international. On reçoit Guylaine Tanguay. Nous, l'Axe-Saint-Jean, on est tissu serré, la famille, c'est notre fierté. On aime les parties, manger puis jaser, on invente des raisons pour se rencontrer. Aujourd'hui, au Gym de la Peau, je reçois Guylaine Tanguay, une super chanteuse country au Québec. Ça va bien, Guylaine? Ça va bien, Marilyn. Merci. Et là, je vois que moi, bon, je suis à domicile parce qu'on est encore en COVID, mais toi, tu es déjà sur place chez Dermapure Laval et j'ai appris aussi que tu es déjà cliente chez nous. Oui, moi, je suis une habituée maintenant ici. Puis c'est, je dirais même plus qu'une habituée. À un moment donné, c'est un besoin qu'on a de venir ici chez Dermapure parce que, ben, d'abord, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est un moment de relaxation, il faut se le dire. Puis, quand on sort d'ici, là, j'ai l'impression, moi, que je prends toujours, comme, on dirait que j'ai perdu une année de vieillesse, ça me fait du bien. C'est, je me sens mieux. Donc oui, je suis une habituée, puis c'est toujours un plaisir. Ah, mais bien contente que l'équipe prenne soin de toi. Ouais. Et puis, en fait, toi, tu as des petits rituels beauté, même avant de connaître Dermapure. C'était comment au niveau de tes rituels beauté? Ben moi, avant, j'essayais d'avoir une routine, mais je suis pas celle qui aime là, les petits pots de crème, puis qui veut s'en mettre, puis essayer des étapes, puis tout ça. Pour moi, il faut que ça soit assez rapide. Puis justement, quand je suis arrivée ici, puis j'ai donné mes critères. Moi, je veux ça, je veux ça, je veux une peau saine, je veux une peau lumineuse. Bon, d'abord, on m'a suggéré des produits, alors j'ai essayé ça. Et avec ça, tout est devenu simple, parce que c'est rapide, c'est efficace. Et franchement, ça marche. Fait que j'ai arrêté de chercher partout des miracles, des crèmes, des ci, des ça. J'ai tout le temps la même routine. Et ça, pour moi, je suis une fille d'habitude. Je change pas de restaurant souvent. Je change pas de place souvent. Et ça, pour moi, c'est un must. C'est sûr que les crèmes, on les adapte aussi des fois, hein, avec la saison ou peu importe. Mais ici, là, les filles le savent, elles me connaissent bien, elles connaissent ma peau. Alors moi, je leur dis, donnez-moi ce que j'ai besoin. Moi, je m'arrange avec ça, puis c'est tout simple. Super. Écoute, Guylaine, moi, j'en reviens pas quand je lis sur toi que tu as lancé 14 albums en 14 ans. Incroyable. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui réussissent à faire ça au Québec. Et avec ta générosité, non seulement tu nous fais découvrir la musique country à travers ton talent, mais tu rencontres plein d'invités avec ton émission télé Tout simplement country, qui est à Or Télé et maintenant à Radio-Canada. Ça fait combien de temps que tu as cette émission-là? Ben là, on va faire notre troisième saison. Alors, ça, c'est vraiment tout un privilège d'abord de présenter la musique country sous diverses formes, c'est-à-dire avec des artistes qui sont, oui, des artistes connus, des valeurs sûres, mais des artistes émergents aussi, de la nouveauté, des gens d'ici, la Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, puisqu'on enregistre à Halifax. Alors ça, pour moi, c'est un privilège. Moi, quand j'ai commencé, ben je rêvais d'être sur ce genre d'émission-là, justement pour que les gens puissent nous voir. Et là, maintenant, c'est moi qui ai le micro, c'est moi qui ai la plateforme, c'est moi qui ai le plateau pour dire... Écoutez ces artistes-là, ils sont formidables, ils ont tous leur histoire de vie, ils ont des histoires en musique à vous raconter. Alors, à chaque semaine, c'est un privilège pour moi de présenter ces gens-là. Bien, c'est vraiment bien. Et puis, toi, Guylaine, là, maintenant que tu es devant l'écran télé un petit peu plus, est-ce que tu es devenue plus lustieuse de ce que tu vois à l'écran? Oui, en fait, moi, je mise un peu sur plus comme le naturel, mais moi, je veux avoir l'air en santé. Je le fais avec mon corps, je marche le plus souvent que possible pour que mon corps reste là, bien vivant. Je le fais avec mon esprit et il faut que je le fasse avec mon visage aussi. Et moi, ben, quand je me vois à la télé, ben moi je vois une femme de bientôt 49 ans qui a de l'air à prendre soin d'elle. Mais tu sais, moi je suis pas obsédée par la jeunesse et tout ça. J'ai l'âge que j'ai, je veux juste pas avoir l'air plus vieille, je veux pas avoir l'air de 20 ans par contre. C'est pas ça mon but. Moi, mon but, c'est d'avoir l'air saine, bien. Je trouve que une peau qui est saine, on dirait que c'est une peau d'abord qui a l'air plus jeune en partant, ça oui. Mais après ça, on oublie l'âge de la personne. Quand on est en face d'une femme qui a une peau saine ou d'un homme, ben on oublie l'âge. C'est comme si l'âge n'existe plus. Et ça, pour moi, c'est très, très important dans mon métier parce que mon âge n'a pas d'importance. Moi, il faut que j'ai l'air bien et en forme. C'est ça qui est important pour moi. C'est très beau, cette philosophie-là. Moi, je vais tourner 43 cette année. Je pense comme toi. Je pense qu'aussi, quand on arrive dans la quarantaine, si on était beau dans la vie, là, on commence à être un peu plus soucieuse de dire « Oh, je veux maintenir le contour de mon visage. » On voit des plis commencer à se former.
le look santé et l'aspect naturel, c'est tellement important. Puis je trouve que toi, tu représentes bien ça. T'es une inspiration pour les femmes au Québec aussi. Fait que je suis très contente que tu sois chez nous. Contente de te rencontrer. Aujourd'hui, on te fait découvrir le soin Ultera, qui est un resserrement de la peau. Est-ce que tu es anxieuse, excitée? Moi, je suis très excitée parce que ce traitement-là, je l'ai dans ma tête depuis longtemps. J'ai jamais eu le temps, le moment de le faire. Et là, c'est enfin à mon tour. Puis je trouve que c'est un bon moment parce que il y a des moments dans la vie où on trouve qu'on a changé plus que d'habitude. Et là, moi, je suis rendue là et j'ai besoin de ça. Je trouve que ça va un peu comme redonner la petite carrure de mon visage. Évidemment qu'on aime ça, avoir la paupière un peu plus haute, mais tu sais, moi, c'est pas majeur. Moi, justement, je veux juste que les gens se disent pas, ils vont me voir, qu'est-ce que t'as fait à ton visage? Juste qu'ils me disent, t'as l'air en forme, Guylaine. Moi, c'est là. Et je pense que ce traitement-là, c'est ça que ça va donner. Exactement. Donc, jamais ça va te retirer. On n'est pas rendu à un stade de chirurgie, pas du tout, mais quand on est capable de bouger la peau de quelques millimètres et de maintenir nos acquis, hein, parce que, tu sais, on aime notre visage, on veut le conserver comme ça. Alors, Guylaine, c'est ta journée aujourd'hui. On va donner une petite Flénol Advil combinée, là, 30 minutes avant le soin. On n'a pas besoin de plus que ça. Puis, en fait, aujourd'hui, tu n'auras que quelques petites rougeurs à peine en sortant du soin, mais ça se passe vraiment dans le fond, dans la profondeur. Donc, l'épiderme est vraiment épargné dans ce soin-là. Ça se passe en profondeur. Alors, tu vas pouvoir retourner à tes activités, même pour la soirée, il n'y a pas de souci. Et quand le COVID va être terminé, moi, j'aimerais vraiment ça qu'on se rencontre en personne. J'aimerais aller voir un de tes spectacles. Je viens de l'Abitibi. Je sais que tu tournes beaucoup en région. Fait que ça sera peut-être l'occasion de se voir dans ma propre région et de découvrir vraiment l'ampleur de te voir en spectacle. J'ai vraiment hâte. Oui, ce sera un plaisir. Je vais t'inviter, ta famille en Abitibi viendrait voir un spectacle. On va avoir du fun. Bon point, et à très bientôt. Hâte de vous montrer le résultat. Merci.